Simalol, un village sénégalais. Une presqu'île située dans la communauté rurale de Fimela, département et région de Fay. Sa proximité avec la localité de Guilor le place au cœur du royaume d'enfance du poète président Léopold Sédar Senghor. Le nom de Simalol revient en effet plusieurs fois dans ses poèmes. La beauté de son site et la vivacité des traditions serrères font de Simalol une destination touristique dans le Sine Saloum. À Simalol et dans les villages côtiers des estuaires du Sine et du Saloum vient s'intégrer harmonieusement aux activités traditionnelles pratiquées par ces populations de paysans pêcheurs. Ainsi, par la création d'emplois pour les jeunes et les femmes, l'utilisation du matériau local dans la construction des campements, le tourisme contribue au développement économique et social du village. Simalol est un très joli village, mais qui est quand même un peu en retrait, qui est quand même méconnu, je pense, dans la région, enfin dans le Sénégal, et mérite vraiment d'émerger du fait de la beauté du site et de sa tranquillité. Il y a un très beau potentiel à Simalol pour le développement touristique, mais le développement touristique intelligent. Un développement touristique durable, équitable, dans le respect vraiment de l'environnement. Donc, je m'appelle Cheikh Ngom, étant responsable de jeunes au village et aussi pris comme accompagnateur de touristes au niveau du campement de Sarama. Donc les activités touristiques vraiment portent
Il y a de l'intérêt pour les populations du village de Simal. Donc vraiment, c'est très important, le tourisme. Et puis nos campements, vraiment, ils veulent travailler avec les populations de Simal. Donc vraiment, ça serait quelque chose qui est tellement très, très important pour les populations de Simal. Par exemple, ça donne des retombées pour les populations. Justement les produits locaux, les produits frais qui sortent de la mer, ça sort de Simal, les pêcheurs passent à 2h du matin, on leur achète leurs crevettes, on a nos pêcheurs de Mérou que vous appelez les Tiop, donc c'est acheté aux pêcheurs de Simal, tout ce que nous pouvons prendre, les carpes rouges, tout ça, ça vient vraiment de Simal, on n'achète pas ailleurs. Bien sûr, il faut aller sur le Jifer de temps en temps pour les poissons de mer, les poissons de l'océan, mais globalement, nous achetons vraiment à la population locale. Nos cacahuètes, les fruits, les légumes, tout vient de la localité. Je pense que quand même, globalement, ils n'ont pas à se plaindre de nous. On a vraiment fait en sorte qu'il y ait des retombées économiques pour la population, oui. Nous avons un cuisinier, de toute façon, qui s'attache particulièrement à cuisiner des produits frais, donc on les prend directement sortis de l'eau. Et je pense que c'est normal, d'ailleurs. Polyvalent remoumé, serveur, barman, gardien. À Simal, les campements touristiques se sont installés à l'est du village. Dans un endroit où la rivière jouxte les dunes reliques et les terres salées sur lesquelles les Simalois ont bâti leur demeure. C'est aussi un endroit où se rencontrent la nature et le mythe. En effet, c'est sous ces grands arbres qui datent d'un autre temps que les femmes du village viennent souvent, en période de sécheresse, implorer les grâces du Tout-Puissant. Yambala, Fatiout dans le Katamag, Gangel, Bakmel, Binkous et Sanyanem sont des sanctuaires qui structurent l'inconscient collectif des populations et tracent ainsi les contours de la cosmogonie des serrères de Simal. Le développement touristique et celui des autres activités socio-économiques de Simal est plombé par l'enclavement, l'absence de routes en bon état, l'absence de lignes téléphoniques. Non, je ne sais pas si tu es à Simal. Nous nous ravitaillons uniquement dans la localité. Nous essayons de prendre les produits le plus possible dans cette localité. Mais nous sommes confrontés à beaucoup de produits manquants. Mais c'est évident, les camions ne peuvent pas venir livrer tranquille, enfin, correctement dans cette localité, puisque déjà la route Diosmone-Fimla est un peu... enfin, est en très très mauvais état, donc les camions viennent pas très souvent, ça ralentit leur course. Malgré ces difficultés et en dépit de l'intervention d'autres projets et programmes, notamment dans la préservation de l'écosystème mangrove, le tourisme reste la clé de voûte du développement futur de la localité de Simal. Je pense que je vais partir ça au courant. Il n'y a pas que ce campement qui existe. Il y a des projets derrière. Nous avons un projet de base de loisirs
avec la jeune population de Simal et qui les mettrait en relation avec les touristes. Donc je pense que c'est pas à écarter. Et nous savons tous que nous, les Européens, que partir en vacances, c'est aussi ne pas rester sans rien faire. Et faire du sport, c'est réussir ses vacances. Et pourquoi pas réussir ses vacances ? En mettant la population locale, justement, en relation avec ce tourisme-là. Donc je pense, oui, qu'il y a un projet de développement déjà sur la base du tourisme sportif. Yayem, après on fait Baboukar. Baboukar dans Gansambou pour retourner la place où il y a le marabout. Disons que moi je viens régulièrement au moins deux fois par semaine, donc je connais par cœur. On est en relation avec les autorités, mais dans l'immédiat on s'est débrouillé par nous-mêmes. Cotisation des hôtels, des restaurants et tous les gens qui touchent le tourisme. Ça peut être des commerçants, c'est des hôteliers, des restaurateurs. Voilà, tous ceux qui touchent le commerce. Okay. Avec Piroguier, Taximan, etc. Ah oui, un appel à lancer, si je peux lancer un appel, c'est que même aux Dakarois, aux Sénégalais en général, il ne faut pas éviter la presqu'île de Simal. Elle est très méconnue de la population sénégalaise et je pense qu'elle mérite d'être connue. Il faut vraiment la faire connaître.